Salut YouTube, bienvenue pour cette session d'invocation sur Genshin Impact. On est en live, en direct sur Twitch pendant mon petit live 24h sur Genshin Impact pour la sortie de la mise à jour 2.7. On va faire cette invocation, on va aller chercher Yelan, gros personnage qui vient d'arriver, que j'ai testé et que j'adore. Les 4 stars. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo concernant la bannière, ça m'intéresse pas en vrai. J'espère avoir d'autres 4 stars que eux, on verra. Xiao, j'hésite encore, j'avais dit que j'allais pas le pool, mais j'hésite encore. Mais je me dis que j'aimerais vraiment aller chercher l'arc pour ma Yelan, à voir, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on va commencer. J'ai 8000 primogèmes à invoquer, ça équivaut à peu près 100 € dans le jeu. Sachant que je ne suis pas un joueur free-to-play, les gars, on va faire cette première session d'invocation avec les primogènes que j'ai gardés. Et si je vois que ça passe pas, bah on va appeler le banquier, hein. Vous connaissez les bails. Let's go. Je commence avec la bannière principale, là, la bannière permanente, où je vais lâcher les 6 pierres de la destinée qui va compléter un peu mon historique. Et ça va me faire au moins un 4 stars pour commencer et aller chercher la chance. Et ensuite, on s'attaquera directement à la petite Yelan. C'est parti, vous êtes chaud? Le chat est chaud. On est deux, hein. Mais il y a le poteau d'Abs qui est là. Hop, c'est parti. En espérant quand même avoir quelque chose de pas mal. Bon, là pour l'instant, c'est un peu. Ici en vrai, Mona, ça serait bien parce que je l'ai pas. Donc ça fait deux. Alors attends, j'en ai fait deux. J'étais à combien déjà? Que je regarde. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6. Là on est à 7. Ok, à 8. À 8 normalement je l'ai. À 8 des fois ça passe. Donc là on est à 8. Là on passe à 9. 9, allez, sérieux? Ok. Bah, du coup ça fait 10, hein. Là normalement 4 stars. 4 stars. Ok, 4 stars. On n'a pas un 5, on a au moins un 4. Ah, on se tape un. On se tape un 4. Bon, c'est pas un 4 de ouf vu qu'on a un équipement 4 stars. Ok, on n'a pas un personnage. Ça commence mal les gars. Hein. Ça commence très très mal. Ok, 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 ok. On est là. C'est parti. Ici, on va en faire 9 du coup. Pour partir de 0. 9 en single, après on attaquera les multi. Donc ça fait 1 là-bas, on passe ici 2. Mais ça peut tomber avant. C'est ça que ce serait cool. Le petit 3. On enchaîne, hein, c'est pas très intéressant pour l'instant. Les multis vont être plus intéressantes. 4. Ça fait 5. Très bien. Ça fait 6. Allez, avant, sors avant, non? Ça fait 7. Toujours pas. Le 8ème. Toujours pas. La 9ème. La 9ème, allez! Bon bah la 10ème, hein. La 10ème. Et là on va avoir un 4 star. Obligé, voilà. Ok, on se prend une petite Yanfée. Comme je vous ai dit, les 4 stars je les ai déjà tous. Donc là ça va être de la constellation en fait sur les Yanfée. Qu'on appelle sur Genji de la constellation. Ce qui vaut à de l'éveil. Ok. Là on part, on va claquer tous les primogèmes et on verra. On est à 10. Là on part à 20. Oh! Oh! Yelan! 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 S'il te plaît. Oh! Let's go! Let's go, motherfucker! C'est honteux ce que j'ai fait! C'est honteux! Mais non! Mais c'est non. Honteux! Mais non! 20 invocations! 20 putain d'invocations! Oh, je suis trop content! Je suis putain de content! Oh là là, mon dieu! 20 invocations et on prend Yelan!
Non! Mais c'est quoi cette chatte? Les gars, des pouces bleus pour cette invocation qui n'a pas duré très longtemps. On se prend Yelan dès le début. Dès le début, pas besoin d'aller plus loin. Oh là là! Mais j'y croyais pas! J'y croyais pas, il me l'avait dit. Le poteau d'Absh me l'avait dit dans le chat. Il m'avait dit t'inquiète, tu l'auras très vite. Je l'ai eu à 20 invocations, c'est honteux. C'est... Let's go. Je suis trop content en vrai. Je suis beaucoup trop content. Parce que ça veut dire que j'économise. Je vais pas aller gâcher pour avoir des 4 étoiles de merde. Et j'ai déjà ma Yelan. J'ai déjà ma Yelan. Où es-tu? Où es-tu? Oh, ça a porté chance. Ça m'a porté chance. Le gouffre et le perso hydro a appelé Yelan. Je suis trop content. Alors attends, je veux directement... Elle est où? Elle est là. Elle est là. Elle est là. La prochaine. Elle est trop belle. Attends, je change. Je change. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu que ça brillait, je me suis dit bon... Ou je l'ai pas et je vais avoir un autre 5 stars. Elle est trop stylée, je suis trop content. Oh là là. Je suis hyper content. Oh, je vais m'amuser de ouf. Je vais m'amuser de ouf. Bon. J'y crois pas. Du coup, on a eu une constellation pour Yenfei. Et c'est là les problèmes, les gars. C'est là les problèmes. Alors je vais juste voir un truc. Putain, on va pouvoir déjà l'augmenter. Ça va être incroyable. Il lui faut les coquillages. J'en ai pas beaucoup. J'en ai que 73. Mais ça, au fur et à mesure, on va s'amuser à aller farm tout ça et la monter. Au moins 80 pour l'instant. Et après 90, parce que je vais monter ma Ayaka d'abord. Comme elle, ça va être un personnage support. Mais je suis putain de content.